Allô? Allô? Oui, bonjour. Tout de suite, le jeu. Quoique non, attendez, on va faire quelque chose avant, que j'ai oublié de faire. Nous sommes le 19 juin, on va faire un peu de lecture avant. On va faire un petit peu de lecture tous les deux. Enfin, pas tous les deux, vu que vous n'êtes pas tout seul. Attendez, laissez-moi setup la game capture. Live normal. Alors voilà, mais moi ce que je veux c'est faire passer la display capture juste avant la... Ah! Ah putain, c'est de la merde. On peut pas faire avancer d'un cran? Attendez. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais faire. Et avant de jouer au jeu, j'aimerais qu'on lise ensemble le... Attendez, laissez-moi recadrer ça. Voilà. Voilà, quoique non, attendez, on va faire... Je vais faire ça proprement. On va faire filtre. On va faire rogner. On va rogner en haut. Ah mais non putain, c'est à gauche. Quel abruti. On va rogner de 20 en haut. On va rogner de 30 en haut. On va rogner de 35 en haut. Et on va rogner en bas, on va rogner de 30, 35 probablement. Voilà. Voilà. Ensuite, on lui fait transformer, adapter à l'écran. Transformer. Voilà. On l'a un peu anamorphisé, mais c'est pas grave. Alors. Du coup, ça c'est le hotfix qui est sorti du coup le 16 juin. 16 juin, il y a 3 jours. Pour Europa Universalis. Donc lire et voir ce dont il est question. Alors, Game Balance, religion. Les bulles pontificales coûtent 400 balles. Ok. 500 balles pour Investigate Heresy. Pour l'enquête sur Hérésie. L'enquête sur Hérésie, maintenant, c'est uniquement pour le pape. Maintenant, l'enquête d'Hérésie. Ah, l'enquête d'Hérésie est modifiée par 50% par le désir de réforme à la place de 10%. D'accord. Modern Firearm Technique Policy, no give 10% infantry compatibility. Donc en gros, comment? Je crois que c'était la politique innovation offensive, les deux idées, hein, idée innovative et une idée offensive, qui donnait 20% de puissance de combat à l'infanterie, maintenant est à 10. On ne peut maintenant plus combiner la liberté dorée et increased levies, et la levée des troupes améliorée. Moins de développement pour l'ordre des Cosaques. D'accord, ça diminue les pénalités pour avoir peu de terrain pour le roi. Lower base crown line influence to 60%. D'accord. Je vois pas trop l'intérêt, mais... Ah, moins d'influence, moins d'autorité impériale grâce aux princes impériaux. Ça, je vois pas à quoi ça sert. Maintenant, la suprématie sur la couronne donne plus d'influence. Suprématie sur la couronne, je fais notre rigueur où il est, blablabla. Ça, on s'en fout. Ok. Diplomatie.
Ah, donc maintenant l'IA fait attention avant de rejoindre le Saint-Empire romain. Bon, je crois que c'est tout, hein. Après, c'est des bugs, du fixe de bugs. Bon, bah du coup, on peut se remettre au jeu. Du coup, sauvegarde. On va donc reprendre la sauvegarde avec la Bourgogne. Strong, strong Bourgogne. Jouer. Jouer, jouer, jouer. Bon, sinon ça va. Je vais checker un petit peu restream, voir si tout va bien. Ah non, là, le jeu est en train de mourir. Le jeu est en train de mourir. Voilà. Attendez. Je regarde juste si tout va bien sur stream. Si la qualité est pas trop dégueulasse. Apparemment, il y a une personne sur YouTube qui est en train de regarder cette diffusion. Oui, je sais. Ça, c'est un test pour détecter l'épilepsie. Alors, ouf. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, les rebelles à Genève. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr, les rebelles à Genève. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais. J'étais pas censé avoir trois armées, moi. Ah oui, là. Ta-ta! J'adore la musique. Déloyauté des ordres, on s'en branle. On s'en fout. Absolutisme annuel plus 1. Waouh! Je me demande si on peut accroître ça. On a besoin d'un conseiller militaire. Discipline. Là, c'est mes bateaux de transport, on s'en fout. Plus besoin. Ah, j'ai plus de trêve avec les Anglais. Leicester et Lincolnshire. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Non, alors, du coup. Non! Voilà, et du coup, il est bloqué, ce con. Ce con, il est bloqué. Faut que je demande l'accès à qui? Faut que je demande l'accès à Wurtzbourg. Donne-moi l'accès militaire. Le fort d'Heidelberg, il faut peut-être l'améliorer quand même. Hein. Oui, bien sûr, un mariage. Un mariage, toujours. Ok, là, il y a du bon territoire, là. Goodland. Bon, ça, c'est bon. Allez, toi, tu vas à Calais et on prépare l'assaut sur les Anglais. C'est vrai que j'avais vassalisé la Bretagne, j'avais fait ça, moi. Faire quelque chose. Je vais envoyer, je vais partager le live sur un Discord sur lequel je suis. Ça aura peut-être des gens qui vont venir. Ah, genre du grenier, je vois The Last of Us 2. Oh là là, les pubs, on se calme. Oh là là, les pubs Twitch, on se calme. De toute façon, on est ici pour 3 heures, hein, donc on a du temps. Hein. J'avais aussi pensé, j'avais aussi réfléchi, parce qu'on peut, avec la Bourgogne, on peut former la Lotharingie. Le problème que j'ai avec la Lotharingie, c'est que leurs idées sont un peu dégueulasses. Problème, c'est que la Lotharingie, c'est un petit peu de la merde comme idée nationale. Parce qu'ils n'ont pas de discipline. Du coup, je suis circonspect. Je suis circonspect.
Allez, emmène-moi tout ça à Kent. Oh, ça commence à coûter cher tout ça. Parce que moi, je peux pas donner 1000 balles au trésor en fait. Je peux donner 100 balles. Ouais, je vais donner 100 balles si vous voulez. Je file 100 ducats à la trésorerie papale. Voilà. Alors, on déclare la guerre. Allez, tu dors là. On va déclarer pour quoi? C'est quoi le plus haut développement? Faut déclarer pour Lincolnshire. On va déclarer pour Lincolnshire. Donc on a dit Lincolnshire. Est-ce qu'on a besoin de l'Autriche ou de la Pologne pour battre ces connards? Non. On va faire ça. Pas besoin d'alliés pour battre ces connards. Il faut aller à Montgomery. Est-ce qu'on a encore de la place au niveau des troupes? Oui, on a plein de place. On va recruter. Du coup, on va recruter le gang. Voilà. Des troupes qui vont nous servir à faire les conquêtes des petites provinces. Ça veut dire que je vais devoir faire attention et que théoriquement je dois protéger ces trucs-là. Ah, j'ai une technologie à prendre. Est-ce que je veux prendre la technologie diplomatique ou pas? Je pense que oui. J'ai encore combien de trucs à prendre? Ah ouais, pas mal quand même. Je prendrais bien du coup la doctrine économique, non? Parce que je peux avoir 5% de discipline, non, quelque part. Avec mes doctrines de qualité que j'ai déjà. Ce serait pas mal pour compenser le fait qu'avec le Lotharingie, j'aurais moins de discipline que mes adversaires. Question est, est-ce que j'ai envie de dépenser aussi cher? 800? Non, j'ai pas envie de dépenser 800. Je crois pas. On va laisser le temps. Ah, c'est vrai que je peux. J'ai l'Auvergne. Est-ce que. Bah oui, on va faire ça. Hein. Oh, on va faire tout ça, ouais. Ouais, on légitime tout. Ouais. Ah, voilà, on peut commencer à s'amuser du coup. J'ai toujours pas investi dans mes bateaux, moi, par contre. Hein. Ces imbéciles passent à côté de la gloire. Déjà. Déjà les events de merde. Oh là 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 là, oh là là là. Alors, nous pouvons pas nous opposer au progrès, c'est oui. Ça nous fait gagner plein de production brute. For free. On va aller à Gloucester, on va aller à Shrewsbury. On va voir notre deuxième vague de régiments qui commence à arriver. On va aller à Hull. On va aller à Sheffield. On veut faire une guerre rapide. On veut optimiser notre temps. Oui, de toute façon, là, j'ai aucun intérêt à prendre ça maintenant. On va prendre la tradition terrestre annuelle. Plus 0,5. Oh, c'était pas plus 1 avant. Là, on est à plus combien? On est à de la merde, en fait. Je pourrais avoir plus, mais là, on est à de la merde. On va aller à Coventry, on va aller à. On va aller à Gwynedd, on va aller à Carmarthen. Ah non, on peut pas, tu vas aller là alors. On va aller à Scarborough. Ah! On va attendre qu'il soit lock. Quoique. Ouais. Dans ce cas-là, on va changer de plan et on va envoyer tout ça à Coventry. Et si on peut pas. Je suis même pas sûr d'avoir un seul. Ah oui, c'est vrai, j'ai 30 quand même. C'est vrai que j'ai 30. C'est vrai que c'est un ennemi, ça, 30. Oh, on va se calmer là.
Alors, attendez, on va changer de plan. On va pas prendre York tout de suite. Voilà, on va plutôt faire ça. Et on va laisser un gars ici. On va aller à York pour maintenir le progrès du siège. Putain, il arrivait trop lentement. Quel con. Je suis pas sûr qu'on arrivera à stack wipe. Ça m'a l'air difficilement wipeable ça. Du coup les 9000 hommes vous avez là. Tous vous avez là. Et toi, tu vas aller à Dumfries. Les fraises idiotes. Toi, tu vas t'occuper de prendre toutes les petites provinces de merde. Voilà, comme ça, il peut plus passer sans que je le voie mort d'un négociant. Oh non. Oh non, you don't die. Oh, amélioration des relations, oui. Surtout parce qu'on a des débiles. On a un grotesque, un pit. Notre seigneur, notre duc. Un pleutre habile et impie. Au secours. Vraiment le pire. Le pire possible, quoi. Alors, on a pris Montgomery. Alors. Voilà. On va faire bien attention à ce que tout soit bien divisé. Steamroll les Anglais. On occupe déjà toute l'Angleterre du Sud. À foutre que de perdre du manpower bêtement. Cologne fait partie de notre patrimoine, bah, j'espère bien. Toi tu jartes et toi tu jartes. Parce qu'en vrai, si je fais. Ah mais non, on peut pas former. Pas former la France puis la Lotharingie. On peut pas faire ça. Donc comment on fait? Est-ce qu'on peut pas former la France puis la Lotharingie en fait? Parce que c'est de la bite. Parce que je me sens que la Lotharingie on peut la faire que avec ouais, c'est de la merde. On peut pas. Parce que les idées. J'aime pas du tout les idées de la Lotharingie. Même s'il y a 20% de réduction du coût de. Du coût de légitimation des provinces, ça veut pas gagner des guerres, quoi. Bon, déjà, on peut commencer à regarder ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Je présume que ça, il accepte. Il accepte et ça ne déclenche pas de guerre mondiale.
prendre bien sûr tout son argent et on va l'humilier. Ouais, il faut une petite humiliation, ouais. Ouais, il faut bien ça, ouais. Faut bien ça, faut bien la petite humiliation qui va avec quand même. Bon, du coup, on va. Bah, c'est bon, de toute façon, ils vont prendre 30 mes copains. Voilà, ils vont prendre 30. Du coup, ça, on peut les jarter. On va prendre juste de l'argent, un peu plus. C'est toujours au Danemark, ça? Non, c'est à l'Angleterre maintenant. Alors, bien sûr, on va emmerder les Anglais en enlevant toutes leurs conquêtes écossaises. Putain. Il a fallu qu'il fasse la paix maintenant, ce fils de sa mère. Il a fallu qu'il fasse la paix maintenant alors que j'étais en train de. Oh! On va vite s'occuper de ces rebelles prétendants. Sais pas pourquoi le jeu a l'air de plus ramer. Oula, on va atteindre le cap en points diplomatiques. 684, c'est toujours un peu cher. Hein. Pour l'instant, du coup, on va faire du développement. Développer du papier, c'est bien. Ouais, du sel, ça va aussi. Développer encore un peu le Hainaut. De toute façon, tout ça, ça enrichit notre. Oh, la Suède se propage dans la capitale. Le duc doit faire la ville. Ou alors je perds des points diplomatiques. Je perds les points diplomatiques. Non, il arrive trop tard. Oh là là, l'anglais qui m'a brain. Putain, il a attendu que je regarde autre part, le connard. Oh, ils sont déjà à zéro de morale. On poursuit. Ça va wipe ça. Oh oui, ça wipe ça. Non, ça a pas wipe. Yes, ça par contre ça wipe. Non, ça wipe pas, mais par contre ils sont prisonniers. Moi je me suis fait wipe. Ah non, je me suis pas fait wipe entièrement. Par contre, ça coûte cher en. Ça coûte cher en manpower, hein, c'est bêtise. Il faudrait peut-être que je construise. Non, pas ça. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je construise un bâtiment officiel. Peut-être déjà des tribunaux, ouais. Voilà, les tribunaux sera déjà pas mal. C'est la révolution anglaise, on va continuer à casser les gueules. Alfred de Clifford. Mon offre de paix, elle t'intéresse toujours pas? Oh, ça va commencer, hein. Durer combien de temps cette guerre là? Oui, on va prendre les points papaux. Ta PayPal points. Bien sûr, je voudrais investir dans une marine de guerre, si c'est possible. Notamment dans une marine de galions. Pour faire des blocus. Merci. Parce que vu qu'apparemment j'ai plein de sous, on va s'occuper de ses prétendants, bien sûr. Hein. Bon, tu vas accepter là ce que je te propose.
Tu vas accepter, s'il te plaît, là, parce que ça commence à être casse-couille, tes révoltes incessantes. Non, moi, j'ai autre chose à faire. En plus, faut que je convertisse des provinces. $624, c'est toujours cher, hein. Allez, ça passe, 92. Hop, toi tu es mon groupe auxiliaire, tu restes là. Et par contre tu vas Kent parce qu'après tu vas rentrer au bercail. Tatatatouette. Tatatouette. Tatata. Indépendance garantie par qui? Toscane. Tu vas vraiment... Genre, la Toscane va s'interposer entre moi et mes conquêtes, quoi. Genre. Corruption en hausse. Mais non, la corruption, elle va se réguler toute seule. Voilà. Mais déjà, plus de corruption. Bientôt plus de corruption. Est-ce que j'ai beaucoup d'inflation? Oui, j'ai 3,49. Oula, on va prendre la réduction de l'inflation, moi. Peut-être faire un petit coucou à ces messieurs les Français. Non, non, j'ai une trêve. Peut-être faire un petit coucou. Ah, mais je pourrais jamais prendre Burg. Je vais peut-être prendre la ville de Clèves, par contre. Ou alors faudrait que j'éclaire pour Burg directement, mais ça va être un enfer de prendre Berg. Ça va être un enfer. Je peux peut-être prendre Geldre. Je prends Geldre, j'implique la Toscane. Et pendant que la Toscane est impliquée, j'attaque la Savoie. Mais est-ce que j'ai une trêve avec la Savoie actuellement? Ok. Sinon, la Savoie, on s'en branle en fait. Ses alliés, mis à part la Toscane. Peanuts, quoi. Bon, en vrai, on pourrait même ramener ça là, hein, parce que franchement, rien qu'avec ça, on peut faire du maintien de l'ordre. Non, pas ici, par contre. Ici, le maintien de l'ordre. Donc, en fait, on va faire du maintien de l'ordre avec ça. En faisant ça. Et en faisant ça. Dès le début, en fait, en prenant... Non, les trucs au contre-pied là. Un contre-pied du truc. On a encore. Ouais, on a encore du temps là. Meilleurs chevaux. Pas mal ça pour la cavalerie. On va s'arrêter là. Croissons donc les impôts. Koblenz. C'est où Koblenz? Koblenz, c'est du grain, donc on va pour réserve militaire, Koblenz. Ça, je m'en fous, ça. C'est pas recrutement, je m'en fous. Donc, on va déclarer pour Utrecht. Ah, mais j'ai pas de revendication sur Utrecht. Du coup, ça veut dire que je peux... prendre la Frise, mais putain, mais toutes leurs provinces sont ultra développées, ça me saoule. Toutes les capitales sont ultra développées, c'est insupportable. On va faire constituer un réseau d'espionnage. Parce que de mémoire, j'ai pas mal de... j'ai un peu de... beaucoup même d'expansion agressive. Avec Dortmund a expiré. On va laisser aussi les légitimations se faire. Hein. Angleterre. On est à 69% quand même en Angleterre. Hein. C'est pas mal. On est presque en possession de tous les centres de commerce. Donc on va améliorer celui à niveau 2. Putain, la mer du Nord, c'est vraiment un des pires nœuds commerciaux. Quoi.
On va garder toute notre flotte à co, notre flotte de guerre là. Le bateau de guerre. Ça, on s'en fout. Le shield de mer 2, bien sûr. Mais regardons le shield de mer 2. On va augmenter un peu la taille de notre flotte. Hein. On va faire tout en bateaux lourds. 15 bateaux lourds, c'est bien ça. Faut qu'on attende 25, je crois. 30, je crois que c'est 30. Attendez, avant qu'on perde nos revendications, là, on va faire des trucs sur Coventry, Gloucester. On aura déjà nos... Voilà. Et on aura déjà nos trucs. Toi, on va te donner... on va te monter à 20. On peut te monter à 20, mais on va te monter à 20, voilà. C'est une bonne nouvelle, c'est bien. État centralisé, c'est bien. Père... bien sûr, vous croyez vraiment que je vais juste subir? Norfolk, Forez. J'aimerais déjà que toutes mes troupes arrivent avant de faire ce truc. Alors, il y a une révolte. On va foutre un général là-dessus. Ensuite, vous. Voilà. Vous. Voilà. Et toi. Voilà. C'est parfait. Voilà, on défonce bien ces connards. Toi tu retournes là. Tout ça pour me niquer mon manpower, hein. C'est pas sympa, hein. Alors pourtant j'en régénère, hein. J'en régénère même 825 par mois. On va convoquer les états. Niveau des réserves à 75%. Production de base de Kent pour 600 balles. Oui. Oui. Alors, hop, bonjour, 600 balles, s'il vous plaît. Merci. Sympa, ça. Sympa, hein, moi je veux bien un truc comme ça. Allez, 40 s'il vous plaît. Allez. Alors, on peut fabriquer sur Utrecht. Non, je peux pas. 40. Ah, parce que j'ai déjà deux revendications, il m'en faut 40. Eh ben dis donc. On va attendre 40, hein. C'est pas grave, hein, je suis pas pressé. Hein. Moi, ça me fait des bateaux en plus. Hein. On a 1,30 à peu près d'évolution. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est connerie. Vous savez quoi, ça me casse les couilles. Je vais attaquer et je vais prendre Utrecht, peu importe. On va déclarer pour Gelre. On va appeler la Toscane. Vous savez quoi, j'en ai plein le cul. Oldenburg, salut, c'est Wurzburg. Alors, Wurzburg, on va s'en occuper tout de suite. Wurzburg, où est ta capitale? Ici. Ensuite, quoique je sais pas pourquoi j'y vais avec lui, tu peux très bien faire comme ça. Voilà. Toi, tu peux aller plutôt voir genre Salus. Pourquoi tu veux pas aller à Salus? Ah, parce qu'il n'y a pas le... D'accord. Va à Bresse. À Bourg-en-Bresse.
Alors par contre, on va s'occuper de chasser les navires gallois. Voilà, hein. On va pas se laisser marcher dessus par ces margoulins. Mort aux espions. Et je peux enfin me rendre à Salus. Merci. T'as 5000 canons, on va peut-être quand même. Hein, boum boum. Hein. Ok, on va prendre ça et ça. Comme ça, on conserve notre innovation. Faire tout ça, voilà. Parce qu'évidemment, ces connards, ils adorent ajouter plein de développement à leur province. Par contre, toi, j'espère que tu vas réussir hein, quand même à prendre son putain de fort. Oh oui, ils ont déjà presque tout pris. On va rajouter notre troupe ici là pour faciliter voilà, la prise de Gelre. Aussi aller chercher l'Oldenbourg. Alors on va chercher l'Oldenbourg. Voilà. Il peut pas prendre mes forts. Il a pas assez de troupes. Il faut 12 000 pour prendre mes forts niveau 4. Alors salut, c'est bon. Alors toi tu vas te placer à Brest et on va déclarer pour Sion. On va déclarer pour Sion. Bien sûr. Je prends. Voilà, royal. Je prends, bien sûr. Alors, Salus. Don Salus. MDR. Blague. Enlightened joke. Enlightened. Allez, on va aller à vous. À vous. Alors par contre, s'il prend mon fort niveau 4 avant que je prenne son fort niveau 3, je vais faire la gueule. Hein. Je vous le dis, je vais faire la gueule. Je vous le dis. Je vous le dis. S'il l'a à 28% alors que moi je l'ai pas une chance sur deux, merci. Je veux juste la paix en fait avec le Wurzburg. Voilà. Je vais même pas chercher à faire quoi que ce soit, je veux juste faire la paix. Alors, ensuite on déclare pour la Savoie. La Maratosca ne protégera pas. On déclare pour la putain de province. Nous avons remporté le siège, mais on a déjà plus de manpower, terrible. Ça sent l'IA qui a déclaré pour encore une connerie. On va aller faire un petit tour là. On va se faire un peu de tradition navale, ça ne fera pas de mal. Boum. Voilà. Et on voit toute la flotte à Bruges. Déjà améliorer tous nos bateaux. On va... Ah mais non, oui d'accord, je peux pas en recruter beaucoup plus, c'est vrai. Durabilité des navires, non je m'en fous. On va prendre l'infanterie gustavienne, parce que je peux pas me permettre de prendre trop de retard. Lui, il y avait l'Oldenbourg aussi qu'il fallait supprimer. Voilà. Alors maintenant, avec lui, il n'y a plus que lui, en fait. De facto, il n'y a plus que lui. Ensuite, avec lui, il faut que j'aille chercher Memmingen et Munich. Donc on va aller à Memmingen. Où c'est Memmingen? Memmingen, Memmingen. Salut, c'est juste pour dire que j'ai participé au concours pour venir à un nouveau DLC. Mais ça n'est pas le même nom que mon pseudo. Ah, c'est pas le même nom que ton pseudo. Bah, c'est pas grave si c'est sur Facebook. Parce que le concours, je crois qu'il est sur Facebook. Donc, peu importe. Tant que tu peux prouver que c'est toi, je pense qu'on s'en fout. Au pire, pose la question sur le Discord, Bleach26. Sur le Discord, ils pourront te répondre rapidement. Et avec la bonne information. Faire ça à Munich. Et... Oh, c'est beau, c'est beau. C'est beau, toute cette noblesse savoyarde qui va me rentrer dedans. Allez, on va à Toronto. J'allais dire Toronto. Au secours. J'allais dire Toronto. À l'aide. Allez, boum.
Et toi, tu vas à Strobing. Bon, je voudrais que tu ailles à Memmingen, mais je sais pas où c'est Memmingen. Oui, c'est là. Voilà, va à Memmingen. Alors, idéalement, je voudrais prendre le Valais, le Valais, le Sion, avant Gellra. Sauf qu'apparemment, il a décidé de me casser les couilles. Bon, tu sais quoi, on ira faire Munich après. Ah, mais non, il y a déjà les 11 000 dudes de Toscane. Tu sais quoi, vas-y, mets-lui un petit coup de canon. Parce que sinon, je sens que ça va être long. Est-ce qu'on pourrait pas construire quelques terrains d'entraînement là pour doper un peu nos forces? Voilà. Ajouter quelques centaines de soldats par mois. Parce que sinon après les sièges vont être fatigants. Alors, on a remporté le siège de Memmingen, c'est parfait. Sauf que je peux plus ressortir parce que ma vie c'est de la merde. Je sais pas pourquoi je peux pas, mais... Ah, parce qu'il y a les trois ligues, peut-être. Donc non, en fait, je sais pas pourquoi je devrais m'infliger ça. Je pourrais juste rester à Memmingen. On va juste rester à Memmingen, en fait. On va laisser Brabant faire son siège de mort. Non, on va pas l'aider. On va pas... On va... Enfin, si on va faire ça, on va l'aider, en fait. Voilà. On va emporter le siège de Turin. L'écu de Turin, bien sûr. Est-ce que du coup tu vas me donner juste ce que je demande? Ouais, voilà. Parce qu'en vrai, tout ça c'est la Romandie. Moi je veux juste la Romandie en vrai. On va juste prendre ça et puis on va juste. Voilà, on va se casser quoi. Voilà, moi j'ai juste envie de ça en fait. Et du coup je peux faire ça. Ah, et après il faudrait que j'attaque tout ça quoi. Castille, bien sûr. On légitime le Valais. Alors du coup, voilà. Et du coup, lui, ça va être un enfer. Du coup, lui, je le sens déjà, ça va être un enfer. Oui, 10 points de puissance diplomatique. Du coup, lui, ça va être un enfer. Parce que si je prends ça, ça va faire une guerre mondiale. Non, et si je prends ça, oui. Là, oui, là, oui, c'est une guerre mondiale. Là, oui, là, c'est une guerre mondiale. Là, pas trop. Du coup, on va faire ça. On va prendre son argent. Et on va prendre les réparations de guerre, on va lui imposer la religion. Voilà. Et du coup, pourquoi? Ah oui, parce qu'elle n'est pas la bonne religion. On va convertir Utrecht avant de la légitimer. Ah, ça veut dire que prendre Berg, ça va être un enfer. Je veux pas. Ça, c'est chiant. Vie, vas-y, fais ta guerre de mort là. Je m'en fous, putain, mais sauf à là. Mais... Fais ta guerre contre l'Afrique là, je m'en branle. L'Afrique, non pas l'Afrique, la Castille, je crois qu'elle a 10 milliards de dettes. Je me demande même comment elle arrive à entretenir une armée, la Castille. Elle a pas des dettes, la Castille? Problème d'un conflit. Comment ça, je lui ai envoyé un truc il n'y a pas longtemps? Non, j'ai pas envoyé un diplomate il n'y a pas longtemps. Combien de dettes? 3100 balles de dettes, hein, la Castille. Big, big Castille. Hein. Alors du coup, oui, toi tu peux rentrer. Toi tu peux te mettre là. Toi tu peux te mettre là. Et toi, tu peux rester là, mais entraîne-toi là. Bon, ça a l'air d'aller, la répression des Anglais. On va se remettre ici. On va faire un peu de répression contre les Anglais. Voilà. Le pape est loyal à la Bohème. Développement, super. Alors, je crois pourtant avoir été clair. Il faut s'entraîner, monsieur. Ère des absolutismes. Youpi. Efficacité administrative 5%, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais absolutisme manuel, c'est pas mal non plus. En revanche, je pense qu'il est préférable de prendre efficacité administrative. On est à combien là en absolutisme? On est qu'à 14, c'est pas ouf.
C'est pas ouf en termes d'absolutisme. Je sais bien. Ah non, je peux pas ressaisir encore des territoires de mes états. Ah oui, si, je peux le faire, mais parce que c'est de la bite. C'est sympa ça. C'est sympa ces trucs. En vrai, il faudrait que je jarte ces trucs-là. Putain, mes bourgeois sont trop influents. Les bourgeois, ils sont trop influents, au secours. Du coup, c'est-à-dire que mon absolutisme, il va falloir que je l'augmente comment? Là, j'en ai besoin de 25, donc en fait, j'ai juste besoin de jarter tout ça. Et pourquoi j'ai pas une bonne unité religieuse? Oui, bien sûr, on va prendre les points. On dirait que ça a changé, Steven, avant, ça faisait pas ça. Évidemment, maintenant que c'est sur cette province, ça me casse les couilles. Voilà, merci. On va construire d'autres trucs comme ça. Voilà, infanterie gustavienne. Oui, l'infanterie gustavienne, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoique les Highlanders sont pas mal aussi, mais non, l'infanterie gustavienne, c'est mieux. Ils font bien. La gloire est à nous, putain. La gloire, bordel de merde. Oula. Oui, il faut peut-être légitimer Utrecht à un moment. Oh là là, si je me suis baisé, je vais m'en vouloir, mais tellement. Je vais m'en vouloir, mais tellement. Ah, parce qu'il y a trop d'agitation. On va faire ça. Vraiment, ça va disparaître. Et oui, ça va disparaître. Parce qu'on s'en fout d'avoir ça. Notre général. Ouh, on a perdu deux généraux là. Oula. Oula. Allez. Bon, puis après, faudra songer à intégrer ça. Hein. That's on point. Plan de Dreux. On prend quoi? Tout le Poitou? Ça me semble être pas mal de prendre le Poitou. C'est du petit dev, le Poitou, de mémoire. Ouais, alors que le main, c'est casse-couille. Donc, on s'en fout un peu, quoi. Ou là, on pourrait attaquer l'Aragon. Ragus et Naples. En gros, que des petits, quoi. On pourrait reprendre, donc, du coup, Aix, Haute-Provence et Toulousain. Ou alors, on pourrait... dépenses garanties par Aragon. Oh, mais en voilà une sainte idée. Déclarer la guerre à l'Aragon. Oh. Ouais, on va prendre un petit hit aux politiques gouvernementales. Hein. On va augmenter... Mais du coup, en fait, ça sert à rien. Ce truc-là des nobles, il sert à rien. Je peux juste le jarter, en fait. Ça, on va l'enlever, en fait, ça sert à rien. Ça me fera gagner un peu d'absolutisme. Il faut aussi que je rejette le conseil des négociants. Pour ça, il faut que je fasse le truc des... Il faudrait que je fasse leur requête... Il faut construire une manufacture à Chartres. Ok. I can do that. Alors, faut construire une manufacture à Chartres. Oui, ça peut se comprendre. Je peux comprendre pourquoi... je peux comprendre pourquoi on m'a demandé ça. Pour ça, du coup, on va augmenter sa production à 30. On va attendre que les terrains d'entraînement se finissent et puis on va construire des manufactures encore. Parce que là, de toute façon, on a trop de points. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, du coup, à Chartres, on avait dit une manufacture. Allez, manufacture textile, boum. Coblence.
Koblenz. Il va convertir les terres protestantes. Alors du coup, le plan, c'est de remonter un peu nos réserves militaires. Ouais. Il va falloir remonter nos réserves militaires sérieusement. Avant de faire la guerre, séparatiste colonnaise. Non, en vrai, non. En vrai, il n'y aura pas de séparatiste colonnaise. Au niveau des missions, on en est où? Il manque encore combien de provinces pour faire la couronne de Lothaire? Il me faut encore... Donc là, je suis à 18 en comptant celle-là, je présume. En sachant qu'il compte pas le Brabant, une excellente chose. Donc actuellement 19, 20, 21, 22, 23, il me faut encore 2. Idéalement, il me faudrait 2 provinces en Rhénanie du Nord, mais je pense qu'il va falloir se contenter de la Frise. Hein. D'ailleurs, je présume que tout ça c'est du gros dev. C'est du gros dev et ça me casse les couilles. Un conseiller militaire. Oh, bah oui, modificateur de réserve nationale, encore 10%, c'est oui, ça. Voilà, en raison. Voilà, là, on est à plus 1000 hommes. Voilà, là, au moins, on est bien. Et, on va chercher ton galinière, là. Améliore tes navires. Du coup, on prépare les armées. On va les mettre... dans des endroits stratégiques, donc au Limousin, au Dauphiné. On va continuer nos petites conversions, ici, Lincolnshire. Bien sûr, il va falloir légitimer cette merde. Enfin, légitimer cette merde et faire ça. Ah non, ah oui, je suis en guerre. C'est vrai que je suis en guerre parce que la Castille c'est compliqué. C'est vrai que la Castille c'est compliqué. Alors, on vient ici, on va aller à Forez, Forêt. Ah là là, bon, allez, on avance. On avance, on avance, on avance. Alors, du coup, on déclare la guerre pour tout ça. Tout ça qui n'est pas dans l'Empire. Tout ça qui n'est pas dans l'Empire. En termes d'efficacité administrative, on est où? Il faut qu'on continue à bien faire ça et du coup on va déclarer. Alors non, il faut déclarer la guerre d'abord. Si voilà, déclarer la guerre d'abord à l'Aragon en fait, c'est ça. Ah mais du coup ça va faire. D'accord. Ça... Donc on peut mettre Avignon comme co-belligérant. Sauf que si je fais. D'accord. Sauf que la Castille. Peut pas m'en... Bah non. Je peux pas être en guerre à la fois contre la Castille puisque je suis son allié. Théoriquement. De toute façon, oui, la Castille ne rejoindrait pas. Voilà, on va faire ça comme ça. Du coup, on fait ça en mettant l'Avignon comme étant un co-belligérant, ce qui va ramener Ulm, de facto. Et on va prendre la Haute-Provence. Ouais, on fait ça. Personne ne veut nous rejoindre, évidemment. Toujours, voilà, toujours un grand plaisir d'avoir des alliés. On les surclasse largement. Bon, plutôt, va ici, va là, et toi, va bloquer Narbonne. Alors du coup, on va en prendre un ici. Et on va après... Voilà, alors, ce qu'on veut, c'est un wipe, bien sûr, on veut pas s'emmerder. On va brûler niveau 3.
on va le brûler. On va aussi brûler Narbonne. Ok. Est-ce que je peux avoir l'interface de siège à Narbonne? Oui, merci. Ça fait en niveau 2. Putain, ils update pas leur fort, les... Et là, ça me trouve le cul. On va ici. On va sortir la flotte de guerre à la Manche, là, pour les empêcher de nous bloquer. Et du coup... Oui, alors du coup, il fallait que je fasse ça. Quel débile. Constituer un réseau. Alors du coup, on va sortir ça de son truc. Ah non, il peut pas, parce qu'il est en train de faire la conversion. Donc c'est casse-couille si je le fais comme ça. Souveraineté absolue, c'est 250 de capacité de gouvernance. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais aussi regarder la qualité des troupes. Militaire, qualité des armées, ennemis. En termes de morale, on surclasse l'Aragon. En termes de... Oh, ils ont pas de discipline, allez, on y va. En plus, il est lock pour aller à Toulouse. Je vais faire ça, hein. Ah oui, moins 2. On a plus de tactique pourtant. Au secours. Ah oui, ça va. Bon, on va ici. Non, même pas. D'accord, on reste là. Ok, on se casse. Putain, j'y retourne en plus. J'y retourne. Mais quel con. Je me saoule, je m'autogave. S'il ne prend pas, c'est un abruti. S'il ne le prend pas, c'est un abruti. Ah, je m'autogave. Ah, je m'auto-saoule. Allez, on prend 25 000 hommes. On va prendre une compagnie mercenaire aussi, là, parce que je suis n'importe quoi. Je suis n'importe quoi, là, donc on va prendre la compagnie. Oula, non, 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 non. Oula, là, 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 là. Beaucoup trop cher. Putain, 1000 balles pour la moindre compagnie. Compagnie des enfants perdus, Oxford, Nicolas York. Alors c'est très bien ça, c'est très bien, moi je vois pas le problème avec ça, mais de vitesse de renforcement quoi. Quel enculé. Ah d'accord, ah oui, non mais en même temps le fort est niveau 2, donc c'est normal, pas trop en demander non plus. Prends-le. Brûle ça et casse-toi. Voilà. Donc comme ça, il se défendra dans les montagnes. C'est la plaine, ça. C'est insupportable à défendre, ça. Oh! On laisse partir. Et maintenant, on y va. On va faire une paix séparée avec lui. On va prendre son argent et des sous. Naples, on ne peut pas faire la paix. Non, on ne peut pas faire la paix avec Naples. Et puis, on fera la... Ah, mais si, parce que lui, Big Boy, est en train de faire son siège, mais il n'a pas de canon. Ah, si, il a deux canons, mais c'est un truc niveau 3. Ok. Ascenseur émotionnel, bien sûr.
que ces 90 000 hommes ne pourront pas intervenir comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, mais attendez, on va prendre... Il y a bien un mec avec de la discipline, là. Non, par contre, on va prendre le mec qui peut avec la défense des forts. Non, alors par contre, non. Non, alors par contre, non. Non, non, non. Je me défends dans les montagnes. Non, c'est de la blague. Ok, il s'est replié. Bon, du coup, par contre, on va faire utiliser ce succès, quoi. Hein. On va pas juste subir. Hein. Oh, c'est bien, il a bréché. Il a bréché. Faut que j'aille à Rosélion. Putain, il est intelligent, hein, parce que un cardinal, non. J'ai confiance. Yes. Plein d'innovations, ça. Ça, c'est moult bien, ça. Non, mais je peux pas faire ça, quoi. Mieux que je brûle ça. 1000%, faut que je brûle ça. Ok. Alors par contre, si tu pouvais, dans la mesure du possible, voilà, ce que je voulais éviter, c'était ça en fait. En fait, je pense qu'il faut... Est-ce que je fais vraiment ça? Est-ce que je... Non, ça sert à rien de faire ça. Par contre, est-ce que les 20 000 hommes que j'ai en Angleterre vont me servir? Probablement. On va prendre nos vaisseaux lourds. Il s'est pas déplacé, ce ton. Faut se calmer, messieurs dames, bonjour, faut se calmer. Voilà. Et on va aussi mettre un petit coup de, voilà, ça. On a remporté le siège de Narbonne. Enfin, on peut avancer. Ah, il a fait le siège de Naples. Du coup, Naples a perdu sa capitale. Du coup, Naples va nous donner un peu d'argent. Même tout son argent. Des réparations de guerre, peut-être. Des petites réparations de guerre. Voilà, merci. Faut que j'ai pas à faire de prêt. Voilà, et on va aller à Barcelone. Bonsoir, j'arrive à peine, ça hurle déjà. Si tu t'autogaves, du coup, tu es une noix. La musique est un poil forte. C'est vrai. Alors, attends. J'étais dans mon énervement, je ne lisais plus le chat. J'étais dans un cycle de l'énervement, en fait. Alors non, en fait, je sais pas pourquoi je la baisse là. La musique est forte pour moi, donc je vais la baisser dans le jeu, pas pour vous. Voilà. Je vais baisser un petit peu le niveau de la musique. C'est... oui, bien sûr. Non mais, ta gueule. Oh oui, je me suis bien autogavé aujourd'hui. Ouh oui, ça m'a bien autogavé. Je me suis bien autogavé, je me suis... Comment ça un soulèvement? On m'a jamais dit que les Suisses, ils étaient pas contents. Et du coup, je me tape 10 de séparatisme. Et du coup, ma vie, c'est de la merde. Oui, oui, mariez-vous, baisez vos cousins, je m'en branle. De toute façon, Raguse, fais la paix. Non, tu veux pas faire la paix, tu me casses les couilles, Raguse. Non, mais n'y va pas, putain, n'y va pas, ça sert à rien. Bon, toi, t'es le général le plus merdique, casse-toi. Allez, là, fais ton putain de siège!
Non, j'ai pas, non, j'ai pas baisé sa couille. Non, mais c'est eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est notre époque. Et là, va casser la gueule. Bon, de toute façon, là, faut avancer là-dessus. Ils sont 70 000. Moi, je suis même pas, je suis pas suffisant du tout là. Et peut-être le moment de débarquer. Peut-être le moment de... Ah bah non, je vois pas, parce que j'ai pas assez de points. 20 de prestige. Non mais ça sert à rien là. J'ai trop de prestige en fait. Je peux pas être plus prestigieux là. Il y a un moment, c'est impossible. Si je pouvais discrètement... On va anticiper que, évidemment, je vais me faire baiser comme un connard. Tout ce temps pour tuer... Ah d'accord, mon fort niveau 4, instant, c'est l'instantané du... C'est l'instantané de la baisse, quoi. Ok, on va aller directement à Valence, hein. Allez, toi, tu vas aller directement à Valence. Ah ben non, tu peux pas, donc tu vas aller directement à Tarragone. Bonne soirée, alors, monsieur le prestigieux, bien sûr. De toute façon, ça se fait... On a porté le siège des Pyrénées, bien sûr. Bien sûr, le siège des Pyrénées, évidemment. Mais écoute, bonne soirée, alors. De toute façon, moi, je suis là après. Je vais peut-être faire une pause dans 10 minutes. Peut-être un quart d'heure, 10 minutes, je vais faire une pause. Je me prendrais bien un petit 10 minutes, un quart d'heure de pause, là. Je vais perdre un fort. Ils font de bons choix. Mais arrêtez de me donner du prestige, ça ne sert à rien. Pour aller à Saragosse. Ouh, on pourrait prendre la capitale de la Navarre. Alors. Allez, on a pris Avignon. Sur le pont d'Avignon. Raguse, bien sûr. Raguse qui ne s'appelle pas Raguse en vrai. Putain, il n'arrive pas à prendre ce putain de fort. Hein. Je suis sûr que si j'avais sacrifié mon armée là... Il bougerait de son fort. Tu l'as pas à 57%. Ah si, là. Merde. Si je le reprends juste après. Si je le reprends juste après. Genre juste derrière toi, tu vois. Je suis juste derrière toi et je le reprends. Bon, ça va ressembler à quoi, là, la paix avec la Navarre? Si je prends tout ça, évidemment, ça va être la guerre mondiale. Oh, même pas trop. Non, même pas, en vrai. Même pas. Même pas, je peux même prendre son argent. Et je crois que je peux même prendre un peu plus d'argent. Ouais, je peux même prendre plus d'argent. Et bien moi, je vais me satisfaire de ça. Voilà. Légitime tout. Voilà, le royaume d'Arles. Voilà, prestige et légitimité annuelle. Boum. Regarde la Lombardie. Lombard. Bon, et bah écoutez, après cette petite guerre, je pense que je peux faire une petite pause. Hein. Pas mérité, j'ai pas volé une petite. J'ai pas volé une petite pause hein, quand même. Putain, c'est moi qui viens de délaître des troupes. Ouais, il y a délaître des troupes. Ah oui, parce que du coup, je l'ai plongé dans la dette. Je l'ai plongé dans la dette et la disette. Stationne-toi, Aix, toi. Stationne-toi là, toi, retourne en Angleterre. Bon, allez, petite pause. Petite pause, hein. Petite pause. Je vous mets le truc de pause. Hein. Moi, il faut que j'aille boire. Hein. Petite pause. Je reviens.
Thank you.
J'ai dit oui! Ah! Oh là là, ce micro, c'est quand même quelque chose, hein. Bon, allez, on reprend. Reprenons. Reprenons.
Reprenons. Du coup, non, venir la Lombardie. J'ai pas très envie. Hein. C'est chiant. Prends lui pour l'inflation. On a toujours pas une mine d'or, hein, d'ailleurs. Et du coup, j'ai des revendications, pas sur le Languedoc. J'ai pas l'impression, moi. J'ai pas de revendications sur le Languedoc, hein. C'est marrant. Faut que j'ai des provinces en Italie, mais j'ai pas le Languedoc. On s'en fout, en fait, du Languedoc. Ce serait bien que j'ai ça. Du coup, il faut que j'unifie le pays. Ça veut dire Brabant n'existe plus. Ah bon, moi j'ai compris quoi, faut que j'intègre le Brabant quoi. Oh merde. Je voulais pas moi. Oh là là, bon, ça veut dire qu'en plus il va falloir que j'attaque la Frise. Hongrie, Silésie, très bien. C'est vrai que je serais intéressé par prendre le Ostfriesland. Pour ça, il faudrait que je prenne la Frise en premier, en fait. On fait ça et ça, ça jarte. Et du coup, on va faire un réseau d'espionnage sur ça. Du coup, ma flotte de bateaux, là, on va la renvoyer à Co. Des prétendants à Liège. Ouais, en vrai, on peut laisser couler les choses à Liège. Hein. Déjà, revendiquons ceci. Et puis, on a enfin accès à la Manche. À la Méditerranée. Et au nœud commercial, le deuxième plus riche du monde, je crois. Ah non, peut-être Lübeck. Peut-être que c'est Lübeck. Oh là là, Brême, tier 3, hein. Alors que uniquement tiers 2. Nous avons réussi la construction de la manufacture. Bah, c'est sympa. Sympa ça. Du coup, on peut peut-être reprendre une mission. Hein. Ouais, on peut peut-être reprendre une petite mission. Ouais. Production de Norfolk de 6. On va faire ça. Hop, bonjour. De l'argent, s'il vous plaît. Et on va abroger le conseil des négociants. Ça nous place notre absolutisme à 87. C'est pas mal, ça. Oh, on peut avoir une stabilité gratuite. Non, mais en fait, ça sert à rien. Du coup, on va plutôt prendre du mercantilisme, peut-être. 2 points de mercantilisme. C'est vrai que ça commence à faire hein, quand même. Faudrait peut-être que je prenne plus de canons. Que je commence à prendre plus de canons. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de manpower. Pour l'instant, la culture suisse, en vrai, je n'ai pas rien à faire. J'ai un tout petit peu rien à faire de la culture suisse. Là. Du coup. Est-ce qu'il me reste beaucoup d'ateliers à construire? Pas beaucoup, non. Des manufactures, peut-être? Des manufactures, il en faut toujours. Voilà. Que je construise aussi des camps d'entraînement pour augmenter, parce que là, je suis à 1106... Ouais, je suis à 1100 soldats. On gagne combien de par mois? Ouais, on va prendre les 110. Ces services pourraient nous être utiles. Oh oui. Oui. Voilà, toi tu coûtes moins cher. Toi on t'améliore. Ce que je peux. Qu'est-ce que la Lituanie vient faire là? Eh, les Ottomans, on est en mai 644 et ils ont du mal, hein.
Ils ont du mal. Ah, parce que l'indépendance garantie. Les Ottomans, ça fait plusieurs parties, je crois. Là, par exemple, ils sont totalement bloqués à l'est. Les Ottomans n'ont pas pris une seule province aux Mamelouks. C'est ouf. C'est ouf, en fait. C'est un truc de fou. Pour la colonisation, moi, je vous avoue que j'en ai un petit peu rien à branler. Comme d'habitude, c'est le Portugal qui vient se faire son petit kiff, hein, mais bon, j'en ai un peu rien à branler. Du coup, déclarer la guerre à la Frise. Ça nécessite de parquer ma flotte ici. Les exilés de Lituanie, bien sûr. Bonjour, je voudrais vos provinces. Hongrie et Silésie. Ça va le faire. On va prendre la Frise. Ça, c'est un wipe. Ouais, ça, c'est un wipe. On va même le triple wipe. Ok, donc ça c'est full occupé. Alors on avait dit ensuite Hongrie. Ouais, mais en fait on s'en fout. Ouais, si on va quand même s'occuper de la. Ouais, on va quand même s'en occuper. Ça c'est bon. On appelait qui que ce soit dans cette guerre. On veut juste remonter vers Lübeck pour contrôler aussi l'autre. C'est quoi déjà la prochaine truc? C'est en 1700, c'est ça? Ah non, c'est en 1650. On pourrait spawn les manufactures. On pourra spawn les manufactures. C'est pas mal ça. Il faudra qu'on prenne de l'avance aussi et qu'on commence à construire des universités. Pour ça, on va en mettre une à Londres. Allez, on va faire sortir les bateaux. CCCV. Ah, bonne nuit. Ah oui, en effet, c'est déjà l'heure. Déjà l'heure de se coucher, c'est vrai. Deux secondes, hein. Ça c'est bon. Ah, on peut pas passer. Ah oui, ça, on peut que passer par là. Il en est où lui? Oh là là, c'est tellement long. Allez, toi, arrête tes conneries, va à Pest. Ah non, c'est même plus Pest, puisque Pest est en Pologne. Oui, bien sûr. Faut qu'on arrive vers les 5% de discipline supplémentaire, hein, bien sûr. Mais non, mais va au pôle, putain. Mais quelle enculerie. Comment ils peuvent avoir 6 000 canons là? Ouais, c'est bien, bien fait pour votre gueule ça. Il va pas voler celle-là.
J'en ai ras le bol, moi, d'envoyer mes armées aux quatre coins du monde. Et on va combattre les Hongrois. Je suis toujours première puissance du monde. Ouais, ça va. Ouh, la Castille juste derrière. Comment ça se fait que la Castille est juste derrière comme ça? Ah, mais c'est ses colonies, ça. C'est ses colonies, ça. 1000%, c'est ses colonies. Alors on va faire la paix avec la Silésie parce que je ne saurais être emmerdé par des trivialités pareilles. Non. Toi tu continues, par contre toi tu rentres. Ouais voilà, toi tu rentres. Ah non, tu rentres mais pas par là. Ouais, tu rentres par là. Non, par là. Voilà, et tu rentres, voilà, par le nord. On va commencer à dresser l'esquisse d'un traité de paix. Ici possible, ne me déclenche pas une guerre mondiale. Ça encore, ça va. Ça, c'est pas du tout une guerre mondiale. Ça, il faut juste laisser passer un an. Un an, puis j'annexe le Brabant et après, je peux former la Lotharingie, je pense. Ah, enfin. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marguerite, non. Il faudrait que j'ai une héritière qui s'appelle Marie. Bien sûr, mariage royal avec la Pologne, évidemment. Je crois que je peux plus soutenir un candidat. Ouais, c'est ça. Maintenant, ils sont bloqués avec du von Habsbourg. C'est toujours des Habsbourg en Autriche? Oui, c'est toujours des Habsbourg. Bon, ok, alors la Hongrie, c'est bon. Oh là, regardez-moi ces troupes de merde de la Hongrie, là. Comment ça, la Hongrie, elle veut pas se rendre? Qu'est-ce que c'est, ces conneries? De toute façon, toi, tu veux bien me traiter de paix que je t'ai proposé? Oui, bon, bah voilà. Juste une question. T'annexer entièrement? Oui, là, pour le coup, ce serait trop. Ce serait de l'overkill. On va laisser passer un tic de plus. Voilà. Ah non, mais là, c'est la fouille. Ah non, là, c'est pas la fouille annexion. Qu'est-ce que j'ai perdu comme truc qui fait que ça sera autant la merde. Il faudrait que j'attende encore un an. Oh. Bon, dans ce cas-là, on va prendre le temps de détruire la Hongrie, quoi. On va faire ça et puis on va faire une autre petite guerre. On va faire la guerre à la France dans ce que la France. Ou pas en vrai. Oh non! No you don't. Oui, parce qu'il faut conserver l'innovation. Très bien, le prix du vin et du verre augmente. Où ça? Encore des soulèvements là. Oh! Merde! Comment on fait pour provoquer la révolte? Ah d'accord, ça il faudrait que le pays ne soit pas en guerre. Le problème c'est que ça va être un peu compliqué à dos là. Pour le moment ça va être un peu compliqué quoi. Parce que moi j'aimerais bien prendre ces deux provinces là mais... Les gens ils vont pas être contents après. Angleterre encore sur la conquête de l'Écosse. On va qu'on aille faire un petit tour là hein, en Angleterre, hein, ça va être le moment. Hein. Ça va être le moment. Bien sûr, faisons le. Citons au développement de cette bêtise. J'aimerais plus de soldats, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je peux avoir plus de bateaux d'ailleurs pour mes bateaux lourds là? Ouais, on peut prendre trois bateaux lourds en plus, c'est bien ça. Parce que si à un moment on doit faire des trucs casse-couilles. Oh,
Ça fait qu'il y ait personne qui vote naturellement pour moi, là. Bon, en même temps, je suis pas éligible à la dignité impériale, c'est normal. On peut pas en vouloir à tout le monde. Du prestige, non, la légitimité. Ah d'accord, c'est déjà un an qui est passé, là. Donc on peut déjà faire la paix sans que tout le monde... Sans que tout le monde me déclare la guerre, peut-être. Vous continuez à faire ce que je vous ai demandé, là, et à améliorer les relations avec les pays susceptibles d'entrer en coalition. J'ai pas vraiment l'impression hein, que ça se passe, hein. Je ne le vois pas. Hein. On glacie, en vrai, on s'en branle. Voilà, on va faire ça. Peut-être mettre le focus sur les points militaires. Hein. Ah, c'est déjà fait. Oh, on est à plus 15. Ouf. Tentons d'améliorer la situation. Généralement, c'est toujours bien. Oui. Bien sûr. Attendez. Ah oui, non, je peux pas vendre des titres fonciers. Quand même. Je suis pas à ce stade. On a pris un. Voilà. Alors. On va les casser la gueule gentiment à ces petits messieurs. On laisse passer encore un an, hein. Mais pas plus, hein. Je crois qu'on peut pas intégrer, ouais. On peut pas intégrer une union personnelle. Hein. Voilà, encore un an et normalement ça devrait être bon. Voilà. Là, il n'y a pas de... Ah mais si, mais putain, mais quel abruti, ça fait deux fois que je fais la même connerie. Quelle baiserie. Mais quelle baiserie, en fait, il faut que j'attende juste avant la fin de l'année, mais... Oh, j'ai envie de me tabasser les couilles. Allez, on va prendre notre temps utile, on va convertir des trucs. Ouais, faire des trucs, faire des missions, tiens aussi. C'est quoi les missions? Ligue du bien public, non, mais ça on s'en fout. Donc il faut que fasse ça. Ah oui, d'accord. Comme des francs. Ah, mais attendez, si ça veut dire qu'on peut faire la Lotharingie. Ah, mais attendez. Ah, je suis pas sûr de ce que je peux faire. Est-ce que je peux pas garder mon arbre de mission? Oh, j'en ai marre. J'aurais bien voulu avoir les. Ah, mais c'est vrai que les trucs français, c'est puissant de ouf, les trucs de la France, là. Et ouais, morale terrestre, mis à part le truc des indigènes, on s'en branle, quoi. Technologie, truc, machin, milieu. Modificateur des impôts, les 20% de morale, quoi. Les 20% de morale, bordel de merde. Je suis pas la première puissance au score, hein. C'est assez rigolo. Pour être notifié. Putain, Bon, cette fois-ci, je vais arrêter d'être débile, et le 30 décembre, j'envoie mon traité de paix, et comme ça, ils rejoignent pas la coalition parce qu'ils sont débiles. J'aurais pu déjà, mais avoir fait tant de choses. Allez, on fait ça. Plus de linge. Allez, toi tu vas là. Comment ça, j'ai pas eu les manufactures? Bon, je vais pas reset pour ça, mais quand même, hein, les manufactures, ça aurait été bien que je puisse les avoir. Hein, c'est pas très correct, ça, quand même. Hein. C'est
C'est pas très très correct ça, monsieur. Voilà. Oh là, on fait 83 balles avec tout ça. C'est indécent. Bonjour, j'aimerais commencer l'annexion. Dans 3 ans, c'est bien. Bonjour, j'aimerais un général, s'il vous plaît. Monter notre compte de troupes, hein. Toi aussi, il va falloir t'améliorer, hein, ouais. Voilà. On va faire de la troupe pour faire de la troupe. Comment ça, là? Putain. Comment ça, des prétendants, là? Parce que j'essaie de l'intégrer, c'est ça? Non, mais faut être raisonnable un peu, monsieur. Oui, vas-y, on dépense de l'argent. Allez, ça, c'est bon. Hop, boum, boum. Surexpansion, mais non, mais il n'y a pas de surexpansion. Surexpansion, c'est un... ce ne sont que des chiffres, de toute façon, la surexpansion. Chocolat chaud, très bien. Non, mais... bon, allez. C'est pour les 5% de discipline. Relation diplomatique, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout pas trop. Pour l'instant, j'ai quoi? J'ai diplomate plus 1 et coût des mercenaires, moins 15%. Ouais, non mais si, c'est... Ouais. Qu'importe, quand on a suffisamment de troupes. Allez, on convertit. On est à 30 de, d'absolutisme. C'est pas mal, mais c'est poussif. Hein. C'est poussif. La pile. Trêve avec Naples a expiré. J'ai pas de revendication, moi, là-dessus. Non, moi, par contre, je dois en avoir sur la Savoie. J'ai absolument pas fait tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là, j'ai absolument pas cherché. Bon, du coup, il faut que je fasse quoi? On va envoyer des insultes. Et on va envoyer des insultes aussi, je présume. Je crois qu'il faut juste faire ça. C'est ça, il faut juste faire ça pour la mission. A été insulté par la Bourgogne. Ah, il faut que ce soit mon rival, c'est ça? François II Motte. Louis Motte. Tu vas faire de moi ton rival, en fait? Bon, il va falloir vraiment qu'on en arrive là. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Je vais arrêter de t'aider, toi. Hein. T'es plus une source de problèmes que des solutions. Nassau, on s'en branle, Francfort peut-être, mais... ah, Mayence peut-être. Non, voilà, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut qu'on prenne peut-être Clèves. On n'a même pas fini de légitimer tout ça. On va peut-être juste attaquer la France en vrai.
Donc on va faire un réseau d'espionnage si je retrouve comment on fait. Je suis un débile, c'est pas grave. Voilà, je suis un débile, c'est pas grave. Hein. Y a pas de problème. Non mais y a pas de corruption en France, là, arrêtez. Ça n'existe pas la corruption, c'est un chiffre. Voilà, puis on va faire quelques petites universités par-ci par-là. Ah oui, alors j'aimerais bien savoir où elle spawn, où on spawn les manufactures par contre. Voilà, Milan a vu naître les manufactures. Quoi. Franchement, alors que j'en ai partout. Franchement, je suis la deuxième province du monde à avoir adopté les manufactures. Quoi. Faudrait que j'améliore ça hein, par contre. Avignon. Non, Avignon, vous n'avez pas le droit d'être pas content. Vous n'avez pas le droit d'être pas content, Avignon. C'est pas possible. Je ne tolère pas. Alors, on améliore le duc de Bourgogne, le Richard de Bourgogne, la duchesse, les Bruges. La province de Frise fait enfin partie du patrimoine. On va prendre ça. Continue à convertir. On va prendre ça. Pour plus de soldats. Magnifique, sagesse lituanienne. Yes. Ah. Ça pue du cul pour l'Aragon. Enfin, pour moi, pour l'Aragon. Averti par l'Aragon. Ouf. Ouf. Ouais, toi tu peux jarter. Hein. J'arrive pas à croire que je suis déjà au cap en termes de trucs administratifs, quoi. Y a pas des actions que je peux faire pour augmenter mon monde. Non, je peux pas. Bon, bah, pas grave, on va faire du développement. Hein. Voilà, plus de taxes. Taxer l'argent. Une bonne nouvelle. Vas-y, je fais une revendication, on s'en fout, j'attaque et on prend ce qu'on peut. On va se permettre d'avoir la Pologne avec nous, quoique non, parce que j'ai envie d'avoir tout l'argent. On pourra même vassaliser la France, ça se trouve. Si on lui fait assez mal. Ouf! Ouf, ça va lui faire tout drôle. Oh oui, ça lui fait tout drôle. Oh, attendez. Pas aller chercher, ça te casse les couilles. Ah, il y a les forts niveau 6, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Faire 5 forts, niveau 6, enfin. En plus, on a l'argent pour les soutenir, quoi, les forts niveau 6. Ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, porter. Oui, l'intégration, oui. Ah, on peut enfin revendiquer. Non, on peut pas revendiquer la couronne de Lothaire. On peut faire quoi comme mission? Au secours. Je suis pas arrivé, il y a une mission. On est à bien. Ah, unifier le pays, d'accord. Sécuriser les Pays-Bas. Toutes les provinces de la région Pays-Bas. Ah oui, non, je n'ai pas tout encore. Hein. Peut-être pas exagéré non plus. Conquérir la Frise. Ah, faut prendre la Frise aussi. Dernière province de la Frise. On peut faire le royaume des Francs.
Je peux pas encore faire la France, c'est dommage. Hein. Je sais plus si... Ah, mais si. Je crois qu'ils avaient supprimé les endgame tags. C'est-à-dire qu'il faut faire... Là, non, ça veut dire que je crois que on peut faire la France en tant que la Lotharingie, mais pas l'inverse, je crois. Prenons le parti des clercs, prenons le parti des nobles pour toi. Prenons le parti des nobles. C'est bien le parti des nobles. Ah oui, non, c'est... oui. Dites-moi, là, c'est bien Dithmarche qui m'a cassé les couilles. Bon, on va faire un petit coucou, alors, à Dithmarche. Ah oui, non, ça devait être des vaisseaux bourguignons égarés. Bon, on va l'avoir entièrement occupé, on pourra en faire ce qu'on veut, ça va être notre pute. La France sera notre pute. Lors de cette partie, je le veux. Du coup, on a un nouveau canon, le canon sur pivot. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, il faut tuer les Français. Bonjour, il faut aller à Brême, s'il vous plaît. Ah ben non. Mais oui. Mais oui, c'est extrêmement casse-couille, ceci. Non mais s'il vous plaît, arrêtez de vous faire bolos par des Français. Comment ça? Aucune concession. Aucune concession. Vous m'entendez? Aucune. Il n'y aura aucune concession pour les pays. Ça, Bruxelles est protestante. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, non, pas de protestantisme. Hein. Non, non. Je crois que vous avez pas compris. Hein. On va demander l'accès à... Voilà, ça c'est fait. On va aller à... Faut demander l'accès aussi à Oldenbourg. Ma stabilité. Il m'a cessé de transférer une partie commerciale de ces trucs. Oui, de toute façon, c'est des conneries, ça. C'est pour une guerre. C'est une guerre. Dire qu'il n'en est pas une, quoi. Voilà, on a fait une brèche dans leur petite forteresse. Alors, oh, comment ça y a des Français encore là? On peut pas encore en faire un vassal. En revanche, j'aimerais bien prendre plein de trucs. J'aimerais bien prendre énormément de choses sans le regretter. J'aimerais beaucoup aussi regarder qui je peux vassaliser diplomatiquement. Ouh, mais en fait, il y a plein de gens. Faut que je fasse attention, moi, je peux vassaliser plein de gens en ce moment. Je peux vassaliser Verdun, je peux vassaliser plein de monde. C'est juste que je ne faisais pas attention. Ouais, en vrai, là, y a rien de vraiment choquant, quoi. Ça choque, moi, ça me choque pas. Hein. C'est pas encore fait, là, Brême. Oh là là, ça prend du temps. Qu'est-ce que ça prend comme temps? Tiens, toi, tu veux aller là, là. Ça fera pas de mal. Ça renforcera l'armée anglaise. Allez, on va écraser la populace. Ah oh, voilà, c'est parfait. Ce sont les Brémois qui s'en occupent pour moi.
Ces types à beau. Le chebec permet de ternir la réputation. Oula, c'est 2000 balles pour adopter ça. Bon, on va attendre un peu alors. Je commence à en avoir plein le huc hein, des statu quo à Brême. Standardisation des uniformes. Standardisons. Mais d'où tu sors ces 2000 hommes à chaque fois? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où ces soldats sont recrutés en fait. In facto. Ouais, c'est vrai, il va falloir faire tomber Brême, sinon ça va être effectivement pénible. De toute façon, il peut rien faire. Ah mais ah non, je peux pas faire ça. Par contre, je peux faire ça, ouais. Voilà. Du coup, j'ai plein de ouais, je peux faire ouais, je peux y aller. C'est vrai qu'en vrai, c'est vrai que la Lotharingie en vrai, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, on adopte. Boum. 10% de modificateurs dans la production, là. Boum. Putain, maintenant, on fait plus du tout de thunes en taxes. Hein. En taxes. Taxes. Au secours. Oh là là, nos généraux sont tout pourris. Moi, je suis pas cool avec ça. Hein. Uncool, hein. On va prendre, du coup, tout ça. Voilà. On va améliorer tout ça. Voilà. L'important, c'est d'avoir plein de sous. C'est la seule chose qui m'importe. Ah, c'est bon, on est à 99% de score de guerre contre la France. Est-ce que je peux vassaliser, Brême, vous pensez? Non, je crois pas, parce que c'est une ville libre. Ouais, c'est ça, je crois. Bon, on va demander sa thune et des réparations de guerre. J'aurais pu demander de détourner du commerce, c'est vrai, c'est pas très malin. Bon, et eh bien voilà, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, monsieur la France. Allez. Toutes les bonnes choses ont une fin, monsieur la France. Ah, on peut faire la couronne de Lothaire. Faut que je regarde un peu quand même, parce que moi, mes idées, elles sont pas mal. Et modificateur de production plus 15%, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Les 5% de discipline, c'est bien aussi. Mais les 20% au coût de... Réduire de 20% encore les coûts de légitimation, c'est quand même vachement bien aussi. Si je regarde le coût, où sont-ils? Coût de légitimation, je suis déjà à moins 23% grâce aux arrangements. Voilà, je suis à moins 25, ça me ferait à moins 45, quoi. En vrai, je pense que ce qu'on va faire, c'est on va... on va prendre les idées de la Lotharingie. Donc attendez, je vais faire un backup save parce que j'ai pas envie de ruiner ma partie. J'ai pas envie de ruiner tout ce que je voulais faire. Ah si, il y avait un truc qu'il fallait que je fasse avant. C'est comment c'est? Il y a Marie de Lotharingie que je veux faire, mais il faut aussi que je fasse. Un truc, genre Burgundian Conquest. Il faut que je vassalise la France et que j'ai tous les Pays-Bas. Donc en fait, on va hold off un peu avec la Lotharingie.
Parce qu'il faut que je conquière encore Gale et Overstitched et que je casse la gueule à l'Autriche. On va prendre réputation diplomatique. Et du coup, l'Autriche, elle est loin, loin, loin derrière. Ah oui, l'Autriche, c'est même pas une grande puissance. Ouh là là là. D'ailleurs, les hégémonies, ça sert à quoi en fait? Revenu mensuel d'au moins 1000. Pour 25%. Ok, ça c'est. Faut avoir 1 million d'hommes en armée. Agitation dans le pays, moins 3 de science terrestre, moins 20, vitesse de mouvement. Et plus 20 de puissance maximale. Oh, capacité de gouvernance plus 20%. Bon, du coup, il faut faire ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je commence à attaquer l'Autriche. Pour ça, il faudrait que je sois l'empereur, en fait. Pour l'instant, je peux pas. Et Philippe de Bourgogne est pas ouf. Il est pas ouf, mais je vais le garder. Faut que je fasse des mariages royaux, là. J'ai combien de relations? 7 pour 7. Oulala, falloir jeter des trucs, là. Bon, étant donné que je suis la première puissance mondiale et que de toute façon, je n'appelle jamais mes alliés, on va pouvoir dissoudre les alliances inutiles, genre avec la Castille. Hein. Voilà. Donc on va jarter la Castille. On va jarter les deux accès militaires que j'ai ici. Révoquer l'accès. Révoquer l'accès. On va essayer de devenir l'empereur parce que sinon ça va être casse-couille de se sortir ça. Attendez, c'est quoi, il faut comme... Attendez, parce que pour la... voilà. Ah, n'a pas joué le vassal. Et Bourgogne, d'accord. Donc non, il faut que je sois absolument la Bourgogne. Ok. On va déjà faire ça. On va déjà faire ça. De toute façon, je crois que je peux pas déclarer la guerre encore pour ça. Ouais. Il faut que je fasse de la place dans mes relations. Pologne, il faut jarter Pologne. Pologne, on s'en branle. Et il faut allier au moins 4 électeurs. Donc on va faire probablement la Bohème. 30. La Bohème, 30. Mantoue. Et Ragusse. Et après, j'ai que des mariages royaux, quoi. Qui sont casse-couilles. Je pourrais aussi jarter la Toscane. Hein. Voilà, donc on va attendre de perdre tout ça là. On va conquérir quoi? Les provinces qui coûtent pas cher, on pourrait conquérir quoi? Il faut qu'on fasse Ligue du bien public. Faudra qu'on vassalise la France at some point. J'ai toujours mes casus belli sur l'Angleterre. Oui. Ah, allié à l'Aragon. Notre allié à l'Autriche. Non, l'Aragon, je peux me battre tout seul, hein, en vrai. L'Aragon, ça devrait le faire, quand même. L'Angleterre aussi, ça va le faire. En gros, faut juste forcer l'Aragon à la paix. Faut lui faire un blitz, quoi. Voilà, donc faut faire un blitz. On va faire un blitz sur l'Angleterre. Donc on va faire un réseau d'espions en Angleterre. 84%. Le reste étant entre l'Angleterre et Geldre. Ok.
On pourrait recruter un petit peu plus de troupes, peut-être, pour faire plus peur, notamment des canons. J'aimerais bien avoir 10 canons. Allez, 12. Et 2 cavaliers en plus. Voilà. Puis on va faire aussi les légitimations, là, pour pas être prisonnier de tout ça. Bien sûr, je mets tout dans le trésor. Je donne mon accord. Et on veut Coventry ou Gloucester. En vrai, peu importe, on va demander Gloucester. On va prendre un général médiocre. Alors, boum, boum, boum. L'absolutisme annuel, ça me semble être une bonne chose. Ouais. Comme ça, on est à 2 d'absolutisme annuel, je crois, un truc comme ça. 2,5 même. On peut même peut-être restreindre un peu d'autonomie là. Ah oui, je peux pas le faire en temps de guerre, c'est vrai. Ouais, 120 000 hommes sur tes frontières, boum. Et non, tu peux pas rejoindre parce que du coup, voilà, Il n'y a pas de négociation en fait, d'autant plus que j'ai une flotte qui peut te battre maintenant. On va aller à Montgomery, tiens. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire, l'anglais? Ah, il a combien de... Non, ça va, j'ai plus de... beaucoup plus de bateaux lourds que lui. Par contre, si je pouvais prendre... Non. Quoi que si. Sauf que non, il n'y en a pas. Du coup, non, en fait. Oula, 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 oula. Ok. On retourne à Cotentin. On a perdu trop de bateaux. Et toi, tu vas casser la gueule à ça. Toi, tu vas aller renforcer ici. Toi, je vais te donner un général exprès pour la bataille. En vrai, on va aussi faire ça. On va laisser ça là. Et lui, on va les renforcer. Faut qu'on mette toutes nos forces dans la bataille. Dans les voies terrestres. Comment ça? Mais pourquoi tu ferais un chemin pareil? Oh, c'était hardcore. Allez, boum, boum, boum. Est-ce que l'Aragon veut la paix ou pas? Non, il veut pas encore la paix, même si j'ai 20% de score de guerre. Il veut pas la paix. On va couper son armée en deux. On va signer les Anglais.
1500 balles pour 5 de professionnalisme, allez. C'est des conversions dont on ne peut pas vraiment se passer. Puisque là, on a l'air d'être là pour un petit moment. Hein, on va faire des petits galions. C'est bon, tu vas aller prendre les Pyrénées, merci. Maintenant, c'est toi, tu remontes. Ok, quand même pas mal de troupes, hein, l'anglais. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'il est temps de recruter une compagnie. Ça coûte 26 balles par mois. Ah, genre vraiment? Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. On a perdu 20 000 hommes dans cette affaire. Et on n'a toujours pas pris Valence! Mais putain de merde, prends la province! Enculéa, enculéa, enculéo, enculéo. Tu vas me filer mais toute ta thune, toi. Toute ta thune, tu vas me la filer. On va laisser un mois passer. Il va pas l'avoir à 21%. Oh, il l'a eu à 21%. Oh là là, j'ai envie de me tabasser les couilles. Allez, on écrase son armée. Il l'a eu, il va gagner la bataille en plus. Il va gagner la bataille en plus. Non, il va pas gagner la bataille, il va pas me faire ça. Épidémie? Non, 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 that's not how it works. Oh, non, 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 non. No, that's not the way we do work here. No, 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 that is not it. No, no, that will not work, mister. That does not sit well with me. Oh, I don't like that. No like this at all. On va prendre l'infanterie de ligne et détachement. Bouge ton gros cul. Bouge ton gros cul. Bouge ton gros cul. Ça veut dire que Napoléon n'a même pas réussi à faire ça, quoi. Pourtant, débarquer à Ken, c'est pas compliqué, hein. Ah, bah alors ça bouge. Il y a trop de bourguignons pour vous. Vous avez trop de bœuf bourguignon par ici. Too much Burgundy boys. Allez, on va aller chercher ici les Anglais là. On va aller chercher de l'anglois. Discipline. 5% de discipline en plus pour perdre un peu moins de troupes. Ah. Tu vas bien te verrouiller, toi. Tu vas bien te verrouiller ici, là. Tu vas bien te verrouiller. Voilà, Shrewsbury. Ça, c'est peut-être même un wipe, ça. Hein.
Oh oui, ça c'est un wipe où je ne m'y connais pas. Allez, on va à Gloucester. Toi, tu vas aller à Cumbria. Et toi, tu vas aller à Northumberland. Et voilà. Et là, ils peuvent passer. Et là, ils sont brain. Ils ne savent plus quoi faire. Ils peuvent plus passer. Il y a deux armées qui bloquent tout le passage. Les séparatistes français se sont soumis au main. Non, je ne crois pas. Aïdouzis. Bien tenté de me faire un débarquement quelque part, mais... How much do I care about Englishmen disembarking in France? On va faire petite revendication là, par contre. Hein. Ouais. Oh ouais, hein. Petite revendication sur Bordeaux aussi. Hein. Parce qu'après, on veut vassaliser la France. Là, en plus, elle a moins de centres de développement. Bien, j'ai plein de trucs là. Voilà, on a fait quelques trucs pour avoir plus de troupes. Parce que moi j'aime bien avoir plus de troupes. York, Carrefour type 2, d'accord. Il ne fasse jamais de réforme, hein. Il reste bloqué à 3 réformes. Hein. Bon, j'aurais un dirigeant un peu merdique, malheureusement. J'aimerais beaucoup prendre tout ça. Est-ce que ça déclenche une guerre mondiale? Non, pas du tout. Pas du tout, madame. Dans ce cas-là, j'aimerais beaucoup prendre de la côte, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, même là, ça déclenche pas spécialement de guerre mondiale. Hein. En laissant passer le bon temps, ça va le faire. Hein. Tout parqué ici en vrai. Oui, on ignore leurs exigences honteuses. Ah, mais c'est vrai que lui il est en marche forcée. Non. Par contre, j'aimerais bien que tu prennes le fort de Dumfries. Oh, mais pourquoi vous reculez, chers petits Anglais? Pourquoi vous reculez, les English? S'amuser tellement. Oh là là, il doit prendre tellement d'attrition ici. Oh là 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 là. On va refaire des bateaux, je pense, hein. Faire 3 galions de guerre encore sans que ce soit trop voyant. Chine de merde. Mais oui, évidemment qu'ils se retirent de la coalition, ils ont compris. Là, tout de suite, mes exigences ne semblent plus si démesurées. Allez, on va dire oui à ça. Comment ça, l'Angleterre a refusé? Comment tu oses? Comment tu refuses ce genre de traité de paix alors que 80% de ton pays est occupé? Voilà.
Pour la peine, je te prends plus de sous encore. Allez là. Oh, on est presque à 100%. On légitime tout. Oh putain, tout est de culture anglaise. Toi tu vas à Sussex, toi tu vas à Kent. Du coup, la couronne de Lothaire, on va laisser passer ça. Je passe mon tour et je prends plus de troupes. Et je prends des forts niveau 6 aussi. Sans compter parce qu'on a de la thunasse. Ça, ils se retirent tous de la coalition contre moi puisqu'ils sont tous des gros staffioles. Number one, 1800 de dev, boum. ...90% du commerce, qu'est-ce que tu vas faire? Bonjour, je contrôle approximativement 90 ducats. Il n'y a pas beaucoup plus à se faire. Hein. C'est quand ma fin de ma trêve avec la France? 1668. Bonjour, il va falloir aller conquérir Geldre, s'il vous plaît. Et j'ai étrangement très très peu de... C'est marrant ça. J'ai étrangement très très peu de... De limites navales. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ce petit temps. Ah mais non, il faut attendre la fin des légitimations, bien sûr. Qui sont à la moitié. C'est normal. Hein. Les séparatistes se sont soulevés en York. Non. Se propage, mettons la province en quarantaine. On va souffrir 10 de séparatisme à York, mais c'est pas dramatique. On va écraser les nobles à Namur. Faudrait y mettre un fort d'ailleurs à York, non? Bon, du coup, faut continuer légitimation. Évidemment, ça va être casse-couille. Du coup, on va mettre une armée là et une armée par le nord pour les prendre en double tenaille. Nous avons beaucoup de surexpansion, mais c'est pas grave. Heureusement qu'on a la culture anglaise mise en avant. Lady, on vous regarde, bien sûr. 15% de morale. On est à 55 quand même. Hein. On est pas mal. Hein. On est toujours pas number one. Ah si, on est number one quand même. Je me suis dit, on n'est pas number one, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Si je suis pas number one, qu'est-ce que les gens vont penser? Voilà, ça nous fera plus de revenus de la production. Boum, 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 boum. Oh, on atteint presque le cap militaire. Donc, on va dépenser quelques petits points. 1, 2, 3. Voilà, on passe le cap des 60. On
pourrais même... Bon, on prendra une décision pour le reste après. Amélioration des relations, bien sûr. Là, on a une génération de points, je vous dis que ça. Alors, on va restreindre un peu d'autonomie, là. Comment ça, je peux pas restreindre? J'ai plus d'autonomie à restreindre, moi. Ah, peut-être parce que je fais plus d'états depuis pas mal de temps, ouais. Provence et Poitou, faudrait que je fasse des états, là. Ou d'autres. Les Midlands et le Brabant. On va essayer de tirer un peu plus de ça. Bien sûr, on va répondre à leurs attentes. Voilà, Cornouaille, on accélère un peu. Tout légitimé. Tout légitimé. Alors, bon, faut qu'on optimise nos revenus encore. Hein. Gelreuil Overstitch, c'est parti. J'ai déjà des revendications là-dessus normalement. En plus. Gelreuil Overstitch, du coup, c'est parti. C'est ce qui s'appelle une Blitzkrieg. Ah mais non. Putain, mais je suis un con, mais je suis un con. Je suis un con, putain. Voilà. Ça va nous faire plein de troupes, ça. De toute façon, il y a tellement de moins en moins de pays que maintenant, je peux vraiment me permettre de conquérir comme un gros cochon, quoi. Pour peut-être lever une autre armée de 40 000 hommes. Voilà, hein. Oh, l'Empire de Chine, ça va pas bien. Hein. Ça va pas bien, l'Empire de Chine. Hein. Oh, Mewar n'a pas survécu, c'est dommage. Souvenez de Mewar, quand j'ai fait la campagne sur Mewar. Les remparts, on s'en fout. Des manufactures, peut-être. Faire un petit coucou là. Alors non, on ne va pas renouveler notre alliance avec l'Autriche, je pense. Ouais, c'est un peu tôt quand même pour me frotter à l'Autriche. Je voudrais d'abord vassaliser la France avant de faire ça. Il n'y a même plus assez de troupes. S'il faut 3-18, il en manque. Il lui manque juste 1000 hommes. C'est pathétique pour lui. Ouais, non, on va peut-être pas mettre autant de troupes. On va peut-être éviter de prendre des dizaines de milliards de troupes d'attrition. Voilà.
Ah, les fusiliers bretons. On est déjà à 100%. Bah hop. Guerre mondiale, non. Guerre mondiale, oui. Boum. Si je prends ça, est-ce que guerre mondiale? Pas trop guerre mondiale. On va prendre Geldre. Et si je prends pas ça et que je fais que la vassaliser? Oh, mais ils s'en foutent. Ben voilà, on va vassaliser. Voilà, on va vassaliser. Dans 10 ans, l'annexe. Bien sûr qu'on va demander à Geldre le commerce. Tout comme on va leur demander à la Bretagne aussi. Je suis bien tenté par aller faire une petite conquête là. Mais je n'ai pas la dernière province de Frise. Tu veux vraiment jouer là-dessus l'Angleterre? Parce que bon hein. T'as 500 de développement, j'en ai 3 fois plus, quoi. Les Ottomans pathétiques. Pathétiques, les Ottomans, pathétiques. Les étoiles s'alignent. C'est pas une... ouais. Ouh là là, ça en fait des trucs à convertir, hein. Faire aussi réduire pas mal le développement de l'Autriche si je veux pouvoir la bouffer. Déjà, il faudra que je prenne du coup ses possessions. Ah, et j'ai des revendications dessus en plus. J'ai des revendications sur quoi sur l'Autriche? Je ne sais pas. Ah! C'est une régence, ça, c'est pas possible. Alexandre 1. D'accord. Elle est vieille de quel âge? Elle doit être... ça doit être monstrueusement vieille. C'est drôle. Alors, on va peut-être prendre des vassalisations. Alors, qui se propose à être vassalisé? Nuremberg, Thuringe, Dithmarsch, 3 ligues. Du coup, on va peut-être faire Nuremberg. C'est une monarchie, Nuremberg, c'est pas ça, c'est une ville libre. Bon, on va tenter la vassalisation de Nuremberg. Hein. Ah, bah c'est bien ce que je pensais, c'est de la baise, on peut pas vassaliser les villes libres. Ah, je peux exiger l'annexion de la Bretagne. Du coup... proposer la vassalisation Thuringe ou Dithmarsch. Thuringe, tu devrais avoir en plus de la revendication, toi. Ouais, t'as de la conquête, quoi. Dithmarsch, des francs, Ligue du bien public. Mais ça, j'arriverai jamais à le faire parce qu'il faudrait que je vassalise la France.
On va faire une petite guerre contre l'Aragon alors. Continuer à convertir. Oh là, tous les cardinaux que j'ai. En même temps, s'il n'y a que moi qui suis catholique, hein, c'est un peu normal. Aragon. C'est très bien. Puis au moment. On va pouvoir s'amuser avec l'Aragon. Nous avons été choisis à Londres. Le Reichstag. Soutenons le parti mercantiliste. On va exiger l'annexion de la Bretagne. Du coup, toi, on s'en branle de toi. C'est violent, hein, je sais, mais on s'en branle de lui. Ah, la France a perdu toute revendication sur ce genre de conneries. Hein. On va continuer d'améliorer nos forts. On va peut-être mettre un fort en Touraine. Hein. Touraine contrôle pas mal de provinces. Hein. On va en mettre peut-être un aussi à Angoumois. Ah, j'ai pas les sous, c'est ça? Mais ça va venir les sous. Voilà. Ça va venir les forts, ça va venir. L'argent pour les forts, ça va venir. Parce qu'en vous, c'est pas top. En vous, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Touraine, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah si, c'est pareil. Mais ouais. Bon, de toute façon, on pourra décaler le fort d'Anjou à Rennes. Ce sera plus intelligent d'avoir un fort à Rennes plutôt qu'en Anjou. Clan Ricard, non. Je ne veux rien avoir avec Clan Ricard. Oui. On va prendre un petit peu d'avance en termes militaires. On va faire une revendication sur le Languedoc et puis on va déclarer la guerre, on va te casser la gueule. Oh, ça va ramener l'Angleterre, bah alors, ça va ramener mes petits potes. Alors si ça ramène mes petits potes de l'Angleterre, on va peut-être se permettre de prendre... peut-être se permettre d'arrondir un petit peu les choses. Voilà, on va se permettre d'arrondir un peu les angles avant. Un petit peu, juste un petit peu. Parce que moi, ça me gêne pas de prendre quelques provinces de plus aux Anglais, mais voilà quoi. Oh, j'en ai rien à foutre. Ah, j'en ai marre. Aragon n'est plus un rival valable. Mais il y a quoi comme rival valable, enfin? L'Autriche, c'est vrai. Il y a l'Autriche. Juste parce que... juste parce que voilà. Hein. On peut peut-être se décaler dans ce cas-là à Hull. S'il y a plus de ravitaillement, on va aller à Hull. Ça coûtera trop cher.
On va prendre 60 000 hommes contre l'Angleterre, ça devrait être suffisant quand même. Voilà. Alors, donc on a dit on déclare la guerre au Languedoc. Et en plus, on va recruter quelques petits soldats. J'aimerais. Voilà. Voilà. On va arrondir les angles avec ça. Oui, je sais, j'aimerais pouvoir jouer. Voilà, merci. J'aimerais pouvoir convertir des provinces aussi. Voilà, comme ça on l'empêche de venir. On peut payer normalement, ouais. Le siège de Narbonne, MDR. Non. 25 galions de guerre contre 6. Il n'y a pas de mec pour le moral des... Non, tant pis, on va le tenter. Allez, il faut couler là un peu. Je sais bien qu'ils ont plus de... Ah non, on a plus de morale. Mais on a une meilleure capacité d'engagement. Oh oui. Oh oui. Oh oui, la petite flotte. Allez, on va bloquer ça. Toi tu vas avancer vers les Pyrénées, toi tu vas avancer vers Gérone, toi tu vas avancer vers Barcelone. Non, ça c'est toi qui vas avancer comme ça. Ouf. Coup dur pour l'Aragon. Coup de répression implacable, coup de changement des rivaux. Intervalle de changement d'autonomie, on va prendre répression implacable. Mais est-ce que c'est possible d'avoir des leaders avec des points de siège, en fait? Tellement rien à foutre. Oui, bien sûr. Cela est excellent. Et en plus, on a même pris ça. C'est vrai qu'il y a Naples aussi. On voit Naples, on s'en branle un peu. Je me suis jamais fait excommunier. Hein. C'est rigolo ça. Hein. Normalement, hein, une guerre avec le contrôleur de la curie, hein, ça ferait de quoi. Mais
Putain, lui, il est encore élevé, quoi. C'est n'importe quoi. Comment ce gars peut encore avoir un enthousiasme de guerre élevé? Je ne comprends pas. Intégration demande du temps. On va laisser 8000 hommes. Apparemment, Naples a d'autres choses à faire. On va prendre Languedoc, puisque c'est pour ça que j'ai déclaré quand même. Mais si, moi je pense que je peux te demander ça en fait. Je pense que ça va le faire. Oula 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 là, mademoiselle de Maupin. Oula là, on se calme. Oula là, on se calme. Si elle appartient à la même sphère culturelle que moi. De contes, un port du siège de Finistère. Je m'en rends tellement. Je veux juste forcer les Anglais à la paix. Comment ça, il y a des rebelles? Oh là là, en plus, c'est des rebelles anglais. Tu veux pas faire la paix, toi? Ta capitale est occupée et tout? Non, apparemment pas. Pourtant, je suis raisonnable dans mes demandes, hein, Angleterre. Hein. Ouais, bah oui, je suis raisonnable, ouais. Je t'en rends compte, tu rends bien compte. Allez. Ça, c'est bon. C'est légitimé. Voilà. Ça aussi, c'est en bas. Attends, le vivret, ça fait partie du Languedoc. Ah ouais, donc faut aussi que je prenne le vivret, idéalement. Et si je prends ça, ça fait quoi? Ça fait une guerre mondiale? Peut-être que Quercy et Rouergue sont trop, hein. Ouais. On va prendre ça juste alors, simplement. Fort en joue, du coup, on s'en branle. Par contre, un fort à Rennes, ce sera bien. Oui. On va prendre un autre ensemble militaire, peut-être. Doctrine de doctrine défensive pour plus de morale. Ou alors on va sur les doctrines économiques pour la discipline. Doctrine économique, ce serait pas mal.
Il y a quoi comme politique sympathique? Il y a combativité de l'artillerie, discipline, encore des modificateurs d'impôts, contribution des vassaux aux forces. De toute façon, il me reste quoi? Deux groupes? Trois groupes? Il me reste trois groupes. Donc, je pourrais prendre économique. Je pourrais prendre économique. Humaniste, peut-être. Économique et humaniste. Humaniste, c'est un peu tard. Humaniste, je pense que ça servira à rien. Peut-être quantité? Ou des régiments moins 10%. Modificateur de ravitaillement, ça permettrait d'avoir de plus grosses armées. Donc ce serait écho, quantité. Écho, quantité défensif. Écho, quantité défensif. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut que je prenne... En fait, il est soit quantité, soit aristo. Mais aristocratique, c'est un peu inutile, parce que les mercenaires, ça s'en branle, puis la technologie, ça s'en fout. Je pense qu'effectivement, ce sera éco pour les 5% de discipline et l'artillerie, quantité et doctrine défensive. On va prendre économique maintenant, du coup. Ou alors, je prends défensif maintenant. Parce qu'en fait, si je prends économique maintenant, ça m'amène à rien. Surtout que mon petit gars, il a surtout des points militaires derrière. Donc ce serait mieux que je prenne un truc militaire maintenant. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je prends ça pour réduire absolument les coûts de mes armées, quoi. Parce que ça va faire 10%, ça va faire 15%, ça va quand même être vachement bien. Je pense que quantité, c'est the way to go. Aussi la défense, défense d'effort aussi, doctrine défensive. On va prendre doctrine défensive. Déjà, à prendre ça nous donnera plus de tradition militaire. Ensuite, ça va là. Ensuite, ça va là. Oh non, passe en général. Oh, c'est un bon général, Philippe de Bourgogne. Ouch, ça pique. Ça pique. Je pense que les mots ne sont pas trop forts, ça pique. Je pense que les mots ne sont pas trop forts, ça pique. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Voilà, on peut prendre ça. Hein. Plus son argent. Bon, j'ai pas besoin de la réparation, les gars. Et on prend ça. On va avoir une belle augmentation. Alors, on va peut-être faire des... hein, allez, on va faire ça, là. On va faire des restrictions, là. C'est pas grave. On va combattre les rébellions, on s'en fout. De toute façon, là, j'ai pas de guerre à déclarer avant un petit moment, mis à part la France, qui n'est pas une grosse guerre. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, ça nous ramène à quoi en... Ah voilà, on est max. On est max. Bon, du coup, est-ce que c'est pas le moment où on jarte tout ça? Est-ce que c'est pas le moment? Alors déjà, on fait ça. Et on aurait besoin de loyauté pour les bourgeois.
Faut construire quoi? Oh non, 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 ça c'est casse-couille. Et on va faire ça, c'est 5%, c'est 50% de puissance aluminium, c'est 50 de puissance aluminium. On va faire ça après. Il me faut combien? Il me faut 10. Pas me demande de faire des petits hôtels de ville. Allez. Les temps difficiles nous attendent, bien sûr. Tu parles, Charles. Oh là, la France. Comment ça? Eh mais tu sais, je te bats à la Castille s'il faut. Hein. C'est pas un problème. Hein. La Castille, c'est quoi son armée? C'est quoi ton armée, la Castille? C'est quoi ton armée? Qui a le plus d'infanterie au monde? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Moi, j'ai le plus d'infanterie au monde. En plus, t'as presque plus de réserve. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qualité des armées, tu vas faire quoi? 124%, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Salut 734 trop tôt. Trop tôt, pardon. Excuse-moi, j'ai mal prononcé ton pseudonyme. J'espère que tu me pardonneras. Je sais pas pourquoi je dis trop. Ça veut rien dire en plus. C'est évident, il n'y a pas de R. Ou alors est-ce qu'il faut le lire en. Comment? En les lettres. En les chiffres, c'est des lettres, c'est ça? Non? C'est ça? Je sais pas. On cassera la gueule à la. On cassera la gueule à tout ça. En vrai, je pourrais même me retirer de l'Empire, mais il faudrait que je prenne un peu plus de province auparavant. Parce que là, l'Empire, bon. Ratisbonne? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Ratisbonne? Tu peux me dire ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me le dire? En vrai, je pourrais prendre Strasbourg. Hein. En fait, faut juste qu'à un moment, genre, j'arrête de me préoccuper des choses, en fait. Il y a un moment, faut juste je conquiert de façon le Montpellier. Montpellier. Oui, 900 balles, moi, je prends. Non, on va prendre plus de tribunaux. Est-ce que même je ferais pas un petit prêt? On va faire des prêts. On va faire des prêts. On va faire deux prêts. Et on va construire les tribunaux. En commençant par ce qui est le moins cher. Des grands projets de construction. On va donc du coup attaquer Strasbourg probablement. Strasbourg puis Mulhouse, qui est une ville libre. On verra donc où est-ce que la vraie loyauté des Autrichiens est. Déjà gérer la surexpansion. Qui est à 90%? Les séparatistes galloises encore. Les séparatistes galloises dans votre gueule. Ah non 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 non. Ah non 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 non. Non 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 non. On va présenter un héritier tout de suite. Hein. 3-1-3. Philippe de la Trémoille. Tu vas vite être. Tu vas vite être jarté, toi, mon coco.
trêve avec l'Autriche a expiré. Voilà, on a encore 15% de morale. Non, je t'ai plus. Ah, mais il y a eu réforme de l'armée, oui. Bon, manifestement, on a une armée supérieure à tout le monde. Tout le monde, absolument. On a 74% des terres de l'État. On va en vendre, hein. Ça me ferait 1500 balles. Hein. Du coup, on va abroger ça. Normalement, on pourra continuer à gagner un peu. Ouais, voilà. En vrai, il faudrait tout, tout jarter. Pourquoi tout jarter? Je peux, ouais, je vais le déshériter, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elle va avoir du mal à faire. Ah, les séparatistes bourguignons. On m'informe. On m'informe que les séparatistes bourguignons existent. On m'informe aussi que je peux rembourser un prêt. Presque à 2000 de développement. On va regarder un petit coup les zones de fort. Les séparatistes anglais se sont soulevés à York. Ah mais je l'ai pas mis de fort à York, du coup c'est... Oh, c'était juste. C'était putain de juste, on va mettre une forteresse à York. Alors du coup, il faudrait une forteresse à York, il en faudrait une à Leicester. Il en faudrait une en Auvergne. Je signale qu'il faut un fort en Auvergne. En Auvergne à Rennes aussi. Les particularistes, on me signale. Tellement de troupes. On pourrait refaire 40 000 hommes là. Il faudra quand même améliorer ça. Hein. Pourquoi je peux pas améliorer? Non mais je veux juste améliorer le bâtiment, en fait. Bah... Mais évidemment qu'il faut avoir adopté la technologie 14. Merci. Il fait son putain de fort, là. La taxe. Ouais, plein de gens qui ont 7 cardinaux. Hein. Quelque chose me dit qu'on peut pas avoir plus de 7 cardinaux. Alors, Languedoc, Bretagne. Évidemment, tout ça, on va en faire des états. Yorkshire. Le Val de Loire, maudit soit-il. Légitimer une partie de tout ça. Oui, bon, donc on va casser la gueule à Castille. Il y a 600 de dettes.
où tout va se passer là, quoi. On va refaire un template, probablement. On va prendre pour 40 000 hommes. Ça va, si supprimer 3000 hommes, faire ici, quoi. Supprimer 4000 hommes ici, voilà. Comme ça, on sera pas, on ne dépassera pas les coups. Allez, on tue les séparatistes. Avoir un bon maillage de force, c'est quand même sweet, hein, pour pas avoir de problème. Allez. Nouvelle armée. Les marchands locaux le demandent du secours. Oui, je donne, je paye. Manœuvre des généraux plus 1. Yes. Allez, Bordelais et Périgord. Cent 20 000 hommes, ça devrait suffire, non? Ah bah pas tant que ça. Hein. Peut-être que les doctrines de quantité vont devoir suivre rapidement. Hein. On a combien d'amélioration des relations? Ah yes, on est à 102, c'est bien, ça m'a plein de discipline. Ouh, mais attendez, vous croyez vraiment que vous avez votre mot à dire là? Attendez, on va réparer les bateaux. On va prendre 2-3 types de réparation et vous allez voir si vous avez votre mot à dire. Moi je vais vous niquer. Je vais vous niquer moi mes petits messieurs dames là. Allez, c'est que du vaisseau léger ça, boum, ça part. Ça pareil, ça, toi t'as que des vaisseaux légers, je suis sûr. Allez, boum. Oh là là. Le vaisseau amiral qui coule. En plus, ses forces sont pas améliorées, ça va être un scandale. Charles IV Gonzaga. ...4-3-1... qui est incorruptible. Heureusement, j'étais en guerre. Change de dynastie, mais c'est pas grave. À l'intérieur, on reste des deux Bourgognes à l'intérieur. Oh, on a perdu notre maître de la monnaie, so bad. Allez, prends-lui là. Isabelle de Vaubresson. Allez, 2000 balles juste pour les nobles. Franchement, les nobles, pire état du jeu, quoi. Voilà. Allez là, faut prendre le fort là, c'est juste un putain de fort niveau 2. T'as 8000 putain de canons. Putain, ça
c'est pas parce que c'est un fort côtier que ça devrait être un problème. Voilà, on va à Tolède maintenant. Tolède. Madrid. Bien, toi, il y en a à comprendre. À minuit 7, à la fin de cette guerre là, où je demande à la France d'être mon vassal. Et je déclenche une guerre mondiale apparemment. Donc non, si je laisse passer un ou deux ans, le temps de 100% la Castille, hein, on a le temps. Hein. On va prendre Soria du coup. Le temps de prendre tout son argent à la Castille. Voilà, on va aussi aller à Malaga. Putain, il y a des délais de plein de forts. L'ère des absolutismes, bien sûr. Voilà, ça. J'ai des colonies, moi. Depuis quand j'avais des colonies, moi. À quel moment j'avais des colonies? Je comprends pas, j'avais des colonies ou... Je comprends pas. Apparemment oui. Mais moi je les vois pas. Moi je ne vois pas où sont les colonies en fait. Je sais pas, je cherche mais je vois pas, c'est un peu comme le racisme anti-blanc. Peut-être pouvoir se faire un petit truc du coup avec la Castille là. Oh, que 11%. Bon, allez, on va faire une paix blanche avec la Castille. Après tout, on n'a pas besoin de l'or de la Castille. En plus, ça... Les temps difficiles nous attendent, mais oui. Bon allez, on vassalise la France et on n'en parle plus. Et on aura déjà rempli une condition sur deux. Si possible, sans déclencher une guerre mondiale. Donc on va rajouter 2, 3... Voilà. 3 vassaux là-dessus. On va fabriquer sur Quercy et sur Werg. Donc non, je n'ai même pas besoin de fabriquer. Donc hop, toi tu jartes. Alors par contre, on va prendre effectivement le traité de paix de Petite Marche. C'est ça l'esprit de corps, et oui. C'est bien malheureux tout ça. Mais de toute façon, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ça? On va attendre un peu, on n'est pas pressé, d'autant plus que je peux construire des tribunaux partout. Et je ne peux plus construire de tribunaux. Et boum. Bon, puis après ça leur passera, hein. Ouais, après ça leur passera. Oui, il y aura une union personnelle mordue sur 20, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. On a qu'à faire un mariage royal, de toute façon tu vas accepter. Ah non, tu vas pas accepter. Bon, on va faire un mariage royal avec quelqu'un d'autre, alors. On va le faire avec Geldre, avec quelqu'un dont j'ai absolument rien, quelqu'un dont je me branle. Dont je vends et que je vais pas attaquer, genre non pas l'Autriche. Bon, vous savez quoi, on va attendre de pouvoir faire ça avec la France. On va améliorer nos relations avec la France. Avant de finir, on va améliorer nos relations avec la France. Il y a encore plein d'hôtels de ville.
ça va changer, tu vas pas être indigné toute ta vie. Il y a un moment, tu vas changer de disque. Ouais, ça se retire de la coalition, bien sûr. Ils ont tout compris. Allez, boum. Ouais, non, mais s'il est niveau 1, je peux pas. Non. Je suis désolé, moi je peux pas. Niveau 1, ça va. Évidemment qu'ils se retirent de la coalition. Ils ont peur. Ils ont peur de la Strong Bourgogne. Bon, allez. Est-ce que je vais réussir à avoir mon mariage royal? Ah, peut-être si je fais genre, si je repaye leur dette, un truc comme ça. Oui, il a fallu que son héritier à la con, il meure là, Marie de Bourgogne. Oh, l'Angleterre devient une grande puissance. Oh, j'ai mis un coup dans le micro, je m'excuse. On est quand même à 2100 de développement. Hein. Est-ce que ce serait pas le moment de l'intégrer? Là, on améliore les relations avec le monde entier. Est-ce qu'on peut enfin faire ça? Faut que je l'insulte alors? Donc je peux pas faire ça parce que leur truc est fait avec le cul, quoi. Non, pas dommage, elle doit part de Clément Ricard quand même. Non mais la France, elle va finir par revenir à ses sens. Plus que vu que je compte pas annexer, mais on va en faire une marche. Plus que si j'en fais une marche, je peux... rembourser sa dette. Vous allez voir, il va finir par devenir friendly. On va dépêcher des officiers aussi. Pour que France devienne le meilleur. On va prendre les officiers de Ratisbonne. Pour le saint professionnalisme. Mais je n'ai pas de colonie. Arrêtez. Je n'ai pas. Ah oui, ici. Du coup, là, oui. Effectivement. Effectivement, là, oui. Bon. Bon, allez. C'est la fin. Bon, j'aurais pas eu mon mariage royal avant la fin, mais c'est pas grave, tant pis. Gonzaga l'incorruptible. C'est quoi la dynastie?
Margrave François Motte. Ce serait bien, j'aimerais bien avoir un Motte sur. Lui faire un nom. Allez là, Flip Friendly, faut te refaire un don, ah voilà. Voilà. Anne-Motte. Voilà, bon bah j'aurais réussi à l'avoir. Allez, on s'arrête là. Bonne soirée à tous, ça m'a fait très plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez aider la chaîne Planet Total War, il faut partager, que ce soit la vidéo YouTube, la chaîne Twitch, hein, voilà, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas d'aller voir les réseaux sociaux, il y a un Discord, si, vous pouvez voir le Discord. Hein. Discord, il y a plein de gens sympas. Enfin voilà. Du coup, je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour une grosse, grosse session Total War. Du coup, salut à tous, des bisous, prenez soin de vous, allez. Je vous laisse passer un petit peu. Regarde-moi ce fond d'écran. Ce fond. Oh, regarde-moi ça. C'est beau. C'est beau. C'est petit, mais c'est beau. C'est petit, mais c'est beau. Allez. Qu'est-ce que j'ai mal au dos, hein. Je fais trop de stream.